らの目の前立ちはだかって道を塞いでる。それでも決して背中見せないで仲間とゴール目指す前へ。不可能はないみんなとなら熱い侍魂まるで稲妻。さあ声を出せあの大空に。大丈夫僕ら君の隣に。Si c'est tout ce que vous avez dans le ventre... Le mur ! Jack ! Jack ! Réponds-nous, Jack ! Excuse-moi. Il n'y a pas de problème, capitaine. Allez, à trois, on repart. Ouais ! Un, deux, trois. Académie Alius 17, Collège Raymond 0. Jim, tu vas bien? Oui, ça va. Je ne comprends pas. Nos super techniques n'ont pas le moindre effet sur eux. Parce que c'était ça, vos super techniques? Et alors, ça te pose un problème? Si c'est pas dedans, ce sont vos super techniques. Je crois que nous n'avons rien à craindre de vous. Ah, attends, tu n'as pas encore tout vu. Retirez-vous tant qu'il en est encore temps. Votre obstination vous conduira à votre perte. Nous ne nous avouerons jamais vaincus. C'est ça notre plus grande super technique. L'équipe Raymond a toujours agi de cette manière et à chaque fois, ça l'a mené à la victoire. On n'a pas peur, même si vous êtes des extraterrestres. Alors nous allons vous faire passer l'envie de vouloir continuer à jouer au foot contre nous. Marc, est-ce que ça va aller? Académie Alius 20, Collège Raymond 0. Thank you.
Le match est terminé. Je crois que vous, les humains, vous employez une expression qui dit « trop parler nuit ». Ah. C'est une catastrophe. Sylvia ? Maintenant, c'est certain. Le collège Raymond a vraiment perdu la partie. Comment cela a-t-il pu se produire ? Nous avons pourtant gagné le tournoi ! C'est tout de même incroyable que nous nous fassions écraser le jour même de notre victoire par des extraterrestres ! Je suis dégoûté. Comment vont les copains ? Vous n'aviez aucune chance de toute façon. Votre jeu, vos super techniques, rien de ce que vous avez tenté n'a réussi. Certains sont si mal en point qu'on les a amenés à l'hôpital. Même Marc et Axel sont blessés. Si seulement nous étions arrivés à temps ! Nous n'aurions pas pu remporter la victoire. Qu'est-ce que tu en sais ? Où suis-je ? C'est ma chambre. Depuis combien de temps je suis là ? Grand-père, désolé, je n'ai pas été capable de gagner. Il se comporte comme ça depuis ce matin. Marc. Oh. Sylvia ? Elle est venue te rendre visite. Elle s'inquiète pour toi, tu sais. Tu as fini de te réveiller, Marc ? Oh. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le match ? Eh bien, viens avec moi. Marc, tu n'es pas en état de sortir ! Et je vais voir mes amis ! Veuillez m'excuser. Attends-moi, Marc ! Hôpital. Tu es venu ? Ça n'a pas l'air sérieux, ne t'inquiète pas. Les médecins disent que les blessures sont légères. Ouais, c'est vrai. Si nous nous trouvons dans cet état, c'est parce que nous n'étions pas suffisamment préparés. Capitaine, nous devons retourner à l'entraînement. Timmy, c'est de la folie, arrête. Mais c'est que... Je me sens si minable. Si seulement nous avions été un peu plus forts. Quand je pense avec quelle facilité ils nous ont terrassés. Alors les gars, c'est quoi cette baisse de morale ? Vous en avez vu d'autres ? Il faut se ressaisir ! Mais en attendant, je vais vous dire. Hein ? Vous pouvez compter sur moi pour vous venger. Je savais que je te trouverais ici. Salut, Nelly. Je sais que c'est difficile de voir ces ruines, mais n'y porte pas trop d'importance.
L'Académie Alius devra payer pour ça. Le football ne doit pas engendrer la destruction. Sa vocation n'est pas de faire le mal, bien au contraire. Je vais leur apprendre à ces extraterrestres ce qu'est le vrai football. Bien dit, Mark. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis prêt à repartir avec toi. Nous allons rejouer contre ces monstres. Nous rejouerons et nous gagnerons. Ouais! En avant! Vous comptiez jouer sans nous? Hein? Les copains! Il faut te rendre à l'évidence. Ce sont des extraterrestres. Ce n'est pas avec un simple « en avant » que tu en viendras à bout. Ne t'en fais pas pour Mark. Il sait où il va, il ne recule jamais. Et moi non plus, je ne reculerai pas. Si je comprends bien, les Raymond se trouvent devant un nouveau défi. Ça veut donc dire que nous allons rejouer contre ces extraterrestres? Ouais! Nous allons leur mettre une bonne raclée. Ils savent pas à qui ils ont affaire. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux aller aux toilettes? C'est pas ça, c'est que je suis tout ému. Moi aussi, je veux me battre à vos côtés pour en finir avec eux. Ouais, nous serions les premiers à battre des extraterrestres. Ça apparaîtrait dans tous les livres d'histoire. Oui, vous pouvez aussi compter sur mon aide. Attendez. Il nous manque des joueurs. Devons-nous attendre qu'ils se rétablissent? Et perdre du temps, je me le demande. Oh. Je sais, mais nous devons les affronter. Exact. Vous devez les affronter. Coach! Monsieur le principal? Venez avec moi. Le centre d'entraînement secret? Ah, ouais! Vous voulez nous faire suivre un entraînement spécial pour pouvoir affronter l'Académie Alius? Oui. Oh! 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 Mais c'est... Monsieur Raymond! Je suis heureux de vous voir tous sains et saufs. Écoutez, nous n'avons pas de temps à perdre. Ces créatures vont continuer à détruire les collèges les uns après les autres. C'est pourquoi nous devons former l'équipe de football la plus forte du monde, avant qu'il ne soit trop tard. Oh. Oh. Former l'équipe la plus forte du monde? Oh. Et une fois formée, cette équipe devra battre l'Académie Alius. Monsieur Raymond, laissez-nous nous en occuper, s'il vous plaît. Notre équipe peut le faire. Les amis, allez! Nous sommes les meilleurs du pays et nous deviendrons les meilleurs de l'univers! Ouais! Vous partirez aussitôt que vous serez prêts. Je vous souhaite bonne chance. Hein? Comment ça, bonne chance? Et vous? Vous ferez sans moi. Quoi? J'ai demandé à l'entraîneur Hillman de bien vouloir faire quelque chose pour moi. Il s'agit d'une affaire aussi importante que de se confronter à l'Académie Alius. Mais c'est quoi ce trafic? Vous voulez que nous nous retrouvions sans coach? Monsieur Raymond! Par pitié, je ne veux pas me retrouver sans entraîneur! Non, moi non plus! Ne vous en faites pas. Je vous présente votre nouvel entraîneur, Mademoiselle Aquilina Schiller. Oh! Monsieur Raymond, je ne vous cache pas ma déception. Vous m'avez dit que votre équipe avait besoin d'un entraîneur, mais vous avez oublié de me préciser qu'il s'agissait de gamins. Si je comprends bien, vous voulez confier le sort de la planète à une bande de gosses? Et je crois savoir qu'ils se sont déjà fait massacrer par l'Académie Alius. C'est pour ça que cette fois-ci, nous les battrons. Nous nous sommes fait battre, oui. Mais maintenant, à nous la revanche. Tu es bien sûr de toi, mais sache que mon jeu n'a rien à voir avec ce que vous avez pratiqué jusqu'ici. Il vaut mieux que je vous prévienne. Julia? Excuse-moi, ça fait un moment que je ne suis pas venue. Je t'ai apporté ça pour que tu penses à ton frère. Tu es Axel Blaze? Nous aimerions te parler. Qui êtes-vous? Nous sommes en quelque sorte des agents au service de l'Académie Alius. Et nous aurions une faveur à te demander. Oh. Ah.
Nous nous trouvons dans le parc Deerfield pour l'inauguration d'une statue géante censée symboliser la paix dans le monde. Sont présents le Premier ministre, Stewart Vanger, et le président Ken Cooper, qui ouvre sa visite officielle dans notre état par cet événement. Nous arrivons au moment crucial où la sculpture va nous être dévoilée. Enfin, admirer l'œuvre qui se dresse devant nous, et ce n'est pas une gageure que de dire que cette statue est magnifique. Mais vous devez aller vous mettre à l'abri, monsieur. Ne vous inquiétez pas pour moi, occupez-vous plutôt du président Cooper. Mademoiselle Vanger! Fais pas l'idiote, cache-toi, Victoria! Oh. Mais qui êtes-vous? Nous sommes les messagers des étoiles. Mais nous sommes plus connus sous le nom de Tempête des Gémeaux de l'Académie Alius. L'Académie Alius? Les extraterrestres? Je me charge de vous! Allez protéger le président, vite! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Papa! Laisse-moi m'en occuper! Les amis, vous devez revenir au collège. L'Académie Alius a de nouveau frappé, et cette fois dans l'ancienne ville. Un ballon noir est apparu durant l'attaque. D'après nos sources, il ressemble très fortement à celui que les extraterrestres ont employé pour détruire les collèges ces jours précédents. Un ballon noir? Nous avons de nouvelles informations. Cette fois, l'Académie Alius a enlevé le Premier ministre Vanger. Axel! Oui, je suis en retard, excusez-moi. Écoutez-moi bien tous. D'après nos informations, le Premier ministre aurait été enlevé par un groupe inconnu. Et apparemment, ce groupe aurait un rapport direct avec l'Académie Alius. Allez, c'est parti. Nous allons devoir affronter l'Académie Alius plus tôt que nous le pensions. Écoutez, Lina, prenez soin de Mark et de ses camarades. Nous garderons le contact avec vous dans la caravane Inazuma. Très bien, monsieur. La caravane Inazuma? Je ne vois rien. Oh! Voici la caravane Inazuma. Elle est parfaitement équipée pour servir de base à des opérations mobiles. C'est cool! Je ne m'attendais vraiment pas à ça! Notre base! Oh! Club de foot. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette caravane est le nouveau siège de votre équipe. En tant que tel, c'est normal qu'il ait son enseigne, tu ne crois pas? Vétéran, nous pendrons cette affiche à l'intérieur, d'accord? Vétéran? Oui, nous avons demandé à Monsieur Vétéran de conduire la caravane Inazuma. Prenez soin de vous, d'accord, les enfants? Coach, comptez sur nous! Je suis sûr que vous battrez l'Académie Alius. Je sais, parce que je crois en chacun de vous. Oui! Allez, les gars, en route! Oui! La caravane Inazuma est maintenant prête à partir! Nous comptons sur toi, mon garçon. Caravane Inazuma!
commissariat de Deerfield. Depuis l'incident, nous avons installé des barrages au niveau de toutes les sorties de la ville. Mais nous restons sans nouvelles du Premier ministre Vanguard. Nous devons absolument le retrouver. Parce que sauver mon père, c'est notre mission. C'est le devoir des services secrets. Nous sommes arrivés à Deerfield. Et alors? Comment? Nous sommes des extraterrestres? Et vous nous faites une blague là? Nous allons vous montrer avec notre football si nous sommes des extraterrestres. Rendez-vous au prochain épisode. Match contre les joueurs en noir. Ça c'est du sport.